Hello World, c'est Golden et bienvenue pour ce 41e épisode de Holy Cube, le serveur en ultra hardcore. Et oui, comme vous pouvez le voir devant moi, ça y est, j'ai enfin fait le pattern du temple principal qui attendait là depuis au moins l'épisode 14, si j'ai bonne mémoire. Car oui, si vous vous en souvenez bien, à l'épisode 14, j'avais organisé un petit concours pour simplement vous faire jouer à Minecraft et plus particulièrement un petit peu à Holy Cube au travers de mes vidéos et des concepts. Et ce petit concours, c'était tout simplement pour décorer le petit pattern qui est juste ici, que j'aime plutôt bien. Alors j'ai modifié un petit peu certains petits détails parce que forcément il y a des trucs qui étaient un peu compliqués, par exemple pour les têtes à obtenir, etc. Et donc celui-ci, c'était... Alors qui c'est qui me l'avait proposé, que je me rappelle de son pseudo? C'était Steinberg qui me l'avait proposé, donc merci à toi, ou peut-être que ce sont d'ailleurs à l'allemand, donc Steinberg, merci en tout cas à toi d'avoir proposé ça. Il y a d'autres personnes aussi qui m'avaient proposé un petit design comme ceci, mais le problème c'est que j'ai demandé qu'on m'envoie ça sur Twitter et plus particulièrement avec un hashtag. Le souci c'est que j'ai trouvé que celui-ci et j'ai pas trouvé les autres, donc je pense qu'il y en a certains qui m'ont envoyé ça sur Discord ou sur d'autres sites, etc. Et puis celui-ci était plutôt détaillé et puis ça rentrait bien dans le design global du thème de la base, donc je trouve ça plutôt cool et c'est pour ça que j'ai décidé de l'ajouter. Bref, aujourd'hui on va travailler du côté Nether, puisque la dernière fois dans l'épisode précédent, j'avais été occupé de tout ce qui était du côté Aether, avec justement la belle petite statue et puis tout le petit petit remplissage. D'ailleurs, je vais peut-être aussi, il y a un petit kiff que j'aurais me faire, c'est juste venir là, hop, et me mettre en tout simplement par terre, parce que c'est vrai que je monte beaucoup le timelapse, etc., en hauteur, mais au final toute la déco on le voit quasiment que en hauteur et on se rend pas compte vraiment de ce qu'il y a en bas, donc je trouve ça plutôt sympathique. Hop, donc on va se balader par ici avec la petite statue parce que j'ai un petit truc à vous montrer, que j'étais très étonné hier de voir ça. Hop, pour cela on doit se rendre dans le petit village à côté de notre petit point d'eau avec un petit coup de lag. J'aime tellement l'eau avec les shaders, ça rend trop bien. Et hop, si on va normalement par ici, alors je sais pas exactement laquelle que c'est, il me semble que c'est celle-ci ou je crois celle d'après, non ça doit être celle d'après. Ah ici voilà, femme 2 de Wutan. Ah oui, il a fait directement il a fait, ah oui, il en a décoré plusieurs, je savais même pas ça, d'accord. Donc oui, comme vous pouvez le voir, notre cher Wutan est passé chez nous pour décorer une petite maison. Je trouve ça ultra sympa de sa part de mettre ça. Donc justement des petites décos, il a mis des petites fleurs, des petits trucs. J'aime bien aussi la petite cassure qu'il a fait entre la cuisine et là pour symboliser un petit peu avec l'espace. C'est un petit peu aussi le challenge, c'était de décorer la maison avec un aussi petit espace. Et franchement je trouve ça cool. Bon après mettre de la TNT dans le paradis, je suis pas sûr que ça rentre très bien dans le côté paradis. J'aime beaucoup le fait qu'il ait mis aussi des bannières de son propre projet qui, pour rappel, hein, l'Egypte, dans lequel j'ai été aussi décorer une de ses maisons. Je trouve ça trop bien qu'il en ait mis ici parce que ça permet tout simplement de faire un immense clin d'œil et j'aime beaucoup ce petit truc là. Et alors apparemment il aurait décoré d'autres maisons, j'avais pas vu ça. Femme 1 de Wutan. Et là du coup il y a une petite chambre, alors oui pour décorer là c'était un peu compliqué, mais en même temps c'était aussi un petit peu le but parce que je voulais faire des maisons un peu grandes, un peu plus petites aussi pour celles et ceux qui éventuellement voudraient venir mais qui n'ont pas envie de trop s'embêter à décorer. Je me suis dit voilà, une petite maison comme ça de 3x3, donc 9 blocs au total, il y a moyen de décorer avec des petits trucs et puis ouais, ça comblait un petit peu, je trouvais ça plutôt cool pour ceux qui voulaient pas vraiment s'embêter avec les matériaux. Donc apparemment il y a celle-ci aussi, femme 2 de Wutan, ça Wutan a plusieurs femmes avec chacun un lit et tout. Ça c'est marrant, ça, je me demande pourquoi il y a une petite trappe d'or là. Mais bref, du coup j'étais en train de travailler justement du côté Nether et puis je voyais ça, enfin je voyais un pseudo au loin, puis je me dis bah tiens c'est bizarre. Et puis au final c'était mon petit Wutan qui était venu tout simplement faire une petite visite et décorer des maisons en fin de saison. Je trouve l'idée vraiment très cool de sa part. Et puis bah voilà, de toute façon ça sera peut-être l'occasion de refaire un petit truc comme ça. J'ai beaucoup aimé ce projet là, donc peut-être que je referai des petites maisons décoratives à décorer justement, à s'installer pour les joueurs directement dans le futur projet de la saison 6. Mais avant de parler de la saison prochaine, il serait peut-être temps de discuter de la saison actuelle. Et avant cela, j'aimerais juste faire une petite chose. Et cette petite chose, c'est un viewer qui m'a donné l'idée il y a un petit bout de temps également de ce côté-ci. Hop là, vous vous souvenez du coup avec la statue de Zeus? Eh bien c'est Raphaël le barbier qui m'avait proposé une petite idée d'écho que je trouvais plutôt sympa. Et cette idée d'écho, c'est juste tout simplement de mettre un nouvel armor stand que je vais mettre justement voilà, ici, c'est nickel. On va lui mettre la tête ici et on va tout simplement mettre, alors il va falloir que je trouve aussi également le truc, donc on va le mettre déjà en invisible, stand invisible, yes. Et après il faut juste que j'arrive à l'avancer, le problème c'est que je sais jamais dans quelle direction il faut que j'avance. Voilà, c'est fait. Bon, alors, ça rend pas très bien parce que je pense qu'il est un tout petit peu décalé ou je sais pas trop pourquoi, mais bon c'est pas ultra grave, on voit de toute façon que ça porte un casque et puis bon, voilà, why not. Je me suis dit de toute façon il faudrait peut-être que je le fasse un jour, mais bon après est-ce que ça rend vraiment bien, je sais pas vraiment, bon. Après c'est peut-être mon texture pack aussi, je sais pas, peut-être que les casques ont été un peu modifiés, mais bon au moins je trouve que ça rend
plutôt bien, ça met une petite touche de couleur et voilà. Et pour celles et ceux qui se demandent, c'est la tête de Mila, je crois, qui est également une joueuse sur Holycube, que d'ailleurs on n'a pas vu depuis un petit bout de temps. Voilà, c'est deux trucs que je tenais à faire parce que j'ai eu beaucoup d'idées sur cette saison, mais il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas beaucoup faisables parce qu'il y avait des projets, c'était assez compliqué de les faire, d'autres relativement simples. Et ces deux trucs-là, c'était simple, enfin surtout le mettre la petite tête sur l'armor scène. Et ici, il fallait tout simplement que je le fasse un jour, et puis bah, voilà, ce jour est arrivé. Donc merci beaucoup à ces deux personnes, ces deux viewers qui m'ont proposé des idées. Et merci également à tous les autres, hein. J'espère que vous serez présents pour la saison prochaine pour également me donner quelques petites idées de déco ou de construction. Bref, je pense qu'il est peut-être temps de commencer à travailler pour cet épisode, puisque bah, 41 ça commence à faire et c'est peut-être, enfin c'est très certainement même l'un des derniers épisodes, vraiment on s'approche de la fin à vitesse grand V, puisque le côté Aether est totalement terminé, donc du coup je vous propose qu'on s'attaque au côté du Nether. Et voilà, le Nether est maintenant aussi totalement terminé. Bon alors après il me reste quelques petits détails, comme par exemple ici on va remettre des armor stands. Je sais qu'à certains endroits j'ai 2-3 blocs qui me manquent parce que j'avais pas assez de ressources, c'était un peu compliqué, c'est pour ça que des fois les timelapses coupent un peu bizarrement, c'est parce que j'étais en mode ah mince il manque du nidium, mince il manque des champignons, et puis du coup il fallait que j'aille en chercher dans la salle des coffres parce que j'en avais pas, donc j'allais à la zone commerciale, en acheter, revenir, farmer, replanter, enfin bref. C'est toute une galère, mais je trouve que ça rend quand même plutôt bien, je suis assez content du résultat. Oh, ça se voit bien en plus de là, j'avais pas vu le petit pattern de loin. C'est plutôt classe.
Mais voilà, maintenant le côté Nether est totalement terminé aussi. Bon, mis à part les quelques petits détails que, comme je vous ai dit. Mais j'ai une question très importante à vous poser. Et ceci, ça concerne la map d'Holicube. Et plus particulièrement, la zone de mon projet. Comme vous le savez très certainement, Holicube est un serveur. Et qui dit serveur, dit joueur, dit projet, bien évidemment, dit map Minecraft. Et comme à chaque saison, en gros, Aurélien va mettre le World Download, donc vous pourrez tout simplement télécharger la map. Et comme vous pouvez vous en douter, la saison 5 ne fera pas exception et sera donc disponible en téléchargement d'ici quelques jours, slash semaines, si normalement tout va bien. Et alors la question que je voulais vous poser, qui est très importante pour moi, c'est est-ce que je devrais virer toutes les torches qui sont sur le projet actuellement? Parce que vous voyez que par exemple là, il y a des escaliers, et des torches, et des torches, et des torches, et des torches, et des torches absolument partout, et c'est immonde. Du coup voilà, c'est juste une petite question, est-ce que vous pensez que je devrais les enlever ou est-ce que je les laisse comme ça et puis tant pis YOLO, on s'en fout. Parce qu'à la base je voulais mettre toute une gestion de lumière et des carpettes et tout, le problème c'est que certains endroits ça rend bien les carpettes mais genre sur le sable ça rend ultra dégueulasse. Pareil sur le temple, les carpettes noires sont beaucoup trop noires, du coup ça rend dégueulasse aussi. Donc bref, n'hésitez pas à me dire dans le chat parce que ça me rajoute une dose de travail supplémentaire, mais bon, c'est ce qu'il faut, voilà, il faut passer par là pour que le projet soit fini peut-être, ou sinon je les laisse comme ça et puis... Au moins je serai pas emmerdé par les mobs, ni vous d'ailleurs, si vous souhaitez jouer en survie après sur la map ou quoi. Mais voilà, je pense que c'était une question importante à poser. Et là vous allez nous dire, mais attends Golden, tu nous parles de ça, c'est-à-dire que ça y est, la saison elle est finie. Bah techniquement vous n'aurez pas tort, puisque le côté Nether est fini, le côté Aether est fini. Oui bah en gros Golden, ton projet il est fini. Bah en fait non, parce que bah l'île principale est terminée, mais il reste toute la partie du Colisée. Parce que si on regarde sur la map, on voit que la partie de l'île principale est vraiment terminée. Il y a tous les petits détails par-ci par-là, les petits arbres, les petits chemins, etc. Mais le Colisée, au niveau du contour, il n'y a pas grand-chose. Et puis le Colisée en lui-même, bah, il est quand même vachement vide, hein, parce qu'il n'y a pas de mur ni de sol, il n'y a que dalle à l'intérieur. Du coup, ça veut tout simplement dire que l'épisode prochain, donc l'épisode 42, comme par hasard, oui je sais, c'est tout simplement l'épisode qui mettra un terme à Holicube saison 5. Puisque à part ceci, tous les projets sont terminés, après je pourrais toujours faire des trucs en plus à droite à gauche, mais bon, si on s'arrête jamais quand on fait ça, donc je préfère mettre un point final en me disant le Colisée c'est le bâtiment de la saison, c'est le symbole de mon projet, je veux finir par le Colisée et je le finirai avec le Colisée. L'épisode 42 sera le dernier de la saison, mais également peut-être un peu l'avant-dernier. Alors là, vous êtes peut-être un peu perdu. En fait, c'est très simple. L'épisode 42 sera le dernier en tant que projet dans lequel on fera le Colisée. Et il sortira un épisode bonus qui, tout simplement, sera un épisode moins d'une dizaine de minutes sur tout simplement un giga timelapse de tout le projet de A à Z avec tous les petits timelapses que j'ai pu mettre durant cette saison de l'Holicube saison 5. Bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, cet avant-dernier épisode même de Holicube saison 5. N'hésitez pas à me dire pour les torches, est-ce que je devrais les virer ou est-ce que je devrais les laisser parce que OZEF, parce que je vous rappelle que ça me rajoute une charge supplémentaire, mais de l'autre côté, si vous trouvez que ça rend mieux sans les torches, bah j'enlèverai toutes les torches une par une, c'est pas grave, il faudra passer par là. N'oubliez pas que demain aussi, c'est le lancement de Holicube saison 6, donc vous pouvez rejoindre le Twitch dans la description, il y a le lien tout simplement, si vous souhaitez également vous abonner sur la chaîne YouTube pour pouvoir être au courant de mon projet sur la saison 6, et puis également pour recevoir l'épisode 42 et l'épisode bonus de cette saison. Et sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine. Allez, tchuss !